dit dans Psaume 89, versets 15 à 16, il dit « Heureux le peuple qui connaît le cri de joie. » Il dit « Il marche à la clarté de ta face. » Alléluia. Il dit « Heureux le peuple qui connaît le cri de joie. » Et le cri de joie est un grand signe prophétique à l'époque avec Israël. C'est pourquoi il a demandé à Josué « Poussez des cris de joie. » Et les murailles sont tombées. Il a dit à Gédéon « Poussez des cris de joie. » Et les adversaires se sont entretués entre eux. Quelqu'un m'entend ici? Vous comprenez ce que je vais vous dire ce soir? C'est un signe prophétique, le cri de joie. Quelqu'un m'entend? Dieu leur a dit dans Nombre 10. Il leur a dit, lorsque vous pousserez des cris, l'Éternel s'élèvera en votre faveur. Le cri de joie avec lequel tu vas rentrer dans 2005 est un signe prophétique que tu as la victoire. Alors, est-ce que quelqu'un peut me montrer le cri avec lequel il va traverser 2015? Mando prière sandere. Glory be to God. Glory be to God. Alléluia. Et je traverse la rue. Mandoria sopriendo soke de la bayase. Alléluia. Alléluia. Écoutez. Prophète, je ne vais pas mettre du temps. Je ne mettrai pas du temps. Je n'ai pas envie d'enseigner. Mais je vais vivre quelque chose que j'aimerais expliquer ici. J'étais tranquillement dans ma chambre. Quelqu'un m'entend ici? Dites-moi que vous m'entendez. Dites-moi que vous m'entendez ce soir. Quelqu'un me dit, j'entends. Je comprends. Et je suis prêt. Alléluia. Je vais vous dire aussi que le ciel est prêt. J'allais à la pharmacie ce soir. Doucement. Vous allez avoir le temps, ne vous en faites pas. Je ne mettrai pas du temps ici. Je ne prêche pas, homme de Dieu. Depuis le matin, j'entends char. Je ne comprends pas. Je vais à la pharmacie, j'entends char. J'ai dit, mais Seigneur, c'est quoi le char? Quelqu'un dit avec moi, le char. Le char. Dites avec moi, le char. Le char. Et je pose la question au Seigneur, mais le char, pourquoi faire? C'est quoi le char? Et puis, il m'amène dans Ézéchiel. Et Ézéchiel parle des chars. Et il m'amène chez Zacharie. Et Zacharie dit, alors que j'étais là, je levais les yeux vers le ciel et je vis 4 chars arriver. Et il dit, mais Seigneur, qui sont ces chars? Et le Seigneur lui dit, il dit, ce sont les 4 vents. Il dit, les 4 vents envoyés par toute la terre. Et la Bible dit, il fait de ses serviteurs... Oh! Hey! Écoutez, il fait de ses messagers des vents. Donc les chars qui sont des vents sont des messagers de l'Éternel. Et le Seigneur me transporte. Demande-moi, dites-moi où? Et le Seigneur me transporta. Quelqu'un me demande où? Est-ce que je vous dis? Je vous dis. Et il me transportait dans le char. Nous sommes arrivés à un endroit, homme de Dieu. Je ne sais si je suis parti avec le corps ou avec l'esprit, mais ceux qui sont spirituels me comprennent. J'arrive à une frontière et il y a 2 nations. Et dans le char, il y avait un homme qui avait l'apparence, il était comme du chrysolite, on dirait une pierre de jaspe. Et quand je suis arrivé dans ce char, un char de feu, et il y avait plusieurs endroits sur ce char. Et j'ai demandé, Seigneur, mais à quoi ça sert? Pourquoi tu prends un char aussi grand? Je suis tout seul. Il dit, ce char-là, ce n'est pas pour toi tout seul. Et puis j'ai vu, il y a une place appelée mariage. Il me dit, j'attends la personne qui doit se marier en 2015. Est-ce que quelqu'un m'a entendu? Hey! Alléluia! Il m'a dit, nous sommes prêts à la frontière. Et j'ai compris tout de suite que la frontière, c'était entre le pays 2014 et le pays 2015. Et il y a un char qui est à la frontière. J'ai dit, mais Seigneur, tu fais quoi à la frontière? Il dit, cette place est réservée. En 2015, quelqu'un doit se marier. Donc, ça, c'est sa place. Le char va démarrer pour l'amener dans 2015. Est-ce que quelqu'un est prêt ici? Est-ce que quelqu'un est prêt ici? Si vous ne me comprenez pas, vous ratez votre bénédiction.
Quelqu'un m'entend ici? Quelqu'un m'entend? Quelqu'un m'entend? Quelqu'un m'entend? Est-ce que tu m'entends? Ça veut dire que tout ce que tu as demandé, le Seigneur est prêt pour te conduire dans 2015 pour que tu vives le miracle. Ça veut dire que ce que tu as demandé a été exaucé. Et Dieu, quand il exauce, il envoie un messager. Et le messager vient sous la forme d'un char. Et le char va t'amener de 2015 janvier jusqu'à 2015 décembre dans l'accomplissement des choses que Dieu t'a promises. Quelqu'un m'entend ici? Quelqu'un m'entend? Quelqu'un m'entend? Oh, écoutez, on dirait que vous ne m'entendez pas très bien. La Bible dit, bienheureux le peuple qui connaît le cri de joie. Ça veut dire que quand Dieu t'a fait des promesses, il attend quelque chose, un cri de joie. Le cri de joie accélère les promesses. Le cri de joie, c'est la victoire. Quand le peuple de Dieu allait en guerre, il poussait un cri de joie. Écoutez, écoutez. J'ai fait exprès, vous savez, quand on faisait des offrandes ici, à un moment, le côté pastoral, j'ai eu un peu mal. Je me suis dit, ah, vraiment, vraiment, je ne sais pas trop. Mais la servante de Dieu était sous onction. Moi, non. Donc, vous voyez, quand vous n'êtes pas sous onction, vous réfléchissez comme un être humain. Donc, je commence à dire, oh, 1200, c'est trop. Et puis, le Seigneur me dit, mais quand tu es arrivé en France, tu habitais quelque part? J'ai dit non. Et tu avais une maison? Non. Tu avais le travail? Non. Tu avais une femme? Non. Tu avais... J'avais rien. Il dit, qui t'a donné? J'ai dit, toi. Il dit, quand même, fais-moi une place, pourquoi vite que je loue? Quelqu'un acclame Jésus ce soir. Et écoutez un principe important, les enfants de Dieu. Écoutez très bien. Je reviens dessus parce que je sais que certaines personnes n'ont pas bien compris ce qui a été posé comme acte. Aussi longtemps que notre Seigneur loue, il ne possède pas la ville. Il est locataire. Sur sa propriété, le Seigneur est locataire. Et vous appelez ça l'hôtel? Vous avez vu quelque part dans la Bible où Dieu louait une terre pour son hôtel? David a dit, je ne donnerai pas sommeil à mes yeux jusqu'à ce que je t'ai construit un endroit à toi. Aussi longtemps que le Seigneur, c'est pourquoi vous, on ne vous permet pas, vous, les églises de construire. Parce qu'ils savent le signe. Si vous vous implantez, vous prenez le territoire. Parce que l'église, c'est l'hôtel. Quelqu'un m'entend ici? La maison fait de toi le résident. Quand tu as une maison, tu es résident. Aussi longtemps que tu es locataire, tu peux passer. Vous m'écoutez? Ce n'est pas chez toi, tu es locataire. Et nous, le peuple de Dieu, nous disons, Seigneur, je t'aime. Et le Seigneur loue une maison. Et le Seigneur est locataire. Mais dis-moi, si tu aimes ton Seigneur, qu'est-ce que tu peux bien lui donner qui soit à la hauteur de ce qu'il est? Sinon, lui amener tout ce qu'il t'a donné pour dire, Seigneur, en reconnaissance. L'amour en Dieu, ce n'est pas, Seigneur, je t'aime. Ce n'est pas suffisant. Quelqu'un danse avec moi. Allez. Et où sont les grands danseurs, là? Madame, regarde. Alléluia. 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 Écoutez, écoutez, écoutez. Je vous garde debout pour que vous ne dormiez pas. Ce n'est pas l'heure de dormir. Nous avons quelques minutes avant quelque chose d'important. Traverser la zone de combat pour la zone de la grâce. Vous comprenez? Et c'est très important que vous restez éveillé et que vous écoutez tout ce qui va vous être dit. Je veux que vous fassiez quelque chose d'inhabituel. Dis à ton frère, je vais faire quelque chose d'inhabituel. Rassurez-vous, c'est pas l'argent. Je vais faire quelque chose. Avant de rendre le micro, je vais vous demander de faire quelque chose. Vous allez tous pousser des cris de joie. En même temps, vous sortez de vos rangs. Et ceux qui peuvent courir dans la salle, mais ne vous cognez pas, s'il vous plaît. Écoutez, écoutez, c'est symbolique. Vous poussez le cri de joie et vous vous déplacez. C'est simple. Vous poussez le cri de joie et vous vous déplacez.
Déplace-toi, va au coin, cours même là si tu veux. Cours là-bas si tu veux. Écoutez, quand je dis à trois, quelqu'un pousse des cris de joie et sort de là où il est. Vous m'écoutez? Vous m'écoutez? Vous êtes prêts? Vous êtes prêts? Je vais compter jusqu'à trois. Bon, moi je me mets en écart parce que... Je compte jusqu'à trois. Parce qu'elles vont courir aussi, donc... Mais vous avez vu, il y en a qui sont déjà prêts hein, pour 2015. Parce que, vous savez, c'est le signe que quand 2015 va sonner, les gens vont courir dans leur prophétie. Parce que les murailles se seront déjà écroulées. Vous m'écoutez? Tout est prophétique. Et le prophétique, c'est symbolique. Vous m'écoutez? Je compte jusqu'à trois. Et les femmes, je vais bien vous entendre. Hein? Il faut que les murs tombent. Et on passe de l'autre côté. N'est-ce pas? D'après les promesses de l'Éternel. Un, deux, trois! Ah! Alléluia. Alléluia. Vous êtes déjà essoufflé pour 2015. Vous savez, quand vous courez, écoutez, la Bible dit, cherchez premièrement le royaume des cieux et sa justice. Et toutes choses vous seront attachées par-dessus tout. Donc pendant que tu cours, les bénédictions tu ramasses. Il ne faut pas marcher en 2015. Il faut courir et ramasser toutes les bénédictions jusqu'en 2000. Amen. Je n'ai déjà plus rien, homme de Dieu. Hein? Mais les musiciens sont sous onction, on peut plus les arrêter. Homme de Dieu, si tu es inspiré à chanter ce genre de musique, je ne sais pas. On peut plus les arrêter. Bon, dansez. La faveur, alléluia. La santé, alléluia. La guérison, alléluia. La délivrance, alléluia. Alléluia. Bien, levez les mains comme ça. Je vais prier encore pour ceux qui ont s'aimé. Permettez-moi de déclarer des paroles. En vertu de l'autorité conférée par le roi des rois et le seigneur des seigneurs, comme représentant du Tout-Puissant sur terre, je déclare que tu seras en haut et non en bas. Je déclare dans le nom de Jésus que tes ennemis fuient devant toi par un chemin et en sortent par sept. Dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth, je déclare que l'Éternel amène le blé dans ta maison et qu'il le multiplie. Au nom de Jésus. Je déclare que 2015, qui est une année de grâce, je peux me permettre de déclarer tout ce que je veux. Si tu étais à pied, je vais chercher la meilleure voiture possible que tu peux avoir. Vous savez, vous savez, quand c'est le temps de grâce, il ne faut pas demander le vélo. Quand
c'est les temps de grâce, ne demande même pas une tof-tof, je ne sais pas comment vous appelez. Cherche la meilleure voiture qui est dans le parc de Papa Dieu. Que la Rolls-Royce, je ne sais pas où, Infinity, peu importe ce que vous voulez, BMW, qui pleut dans ta vie. Attention! Attention! La faveur divine va arriver! Et recevez, 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 au nom de Jésus! Recevez, recevez, recevez! Soyez bénis au nom de Jésus! Recevez, recevez, recevez! Au nom de Jésus! Recevez, recevez, recevez! Au nom de Jésus! Recevez! Recevez la santé au nom de Jésus. Recevez la finance. Que vos projets voient le jour. Que la protection divine. Dieu vous rend invisible aux yeux de vos adversaires. Attention. Attention. Le mariage divin va t'arriver. Recevez. Recevez, recevez, comment? Recevez, 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 au nom de Jésus, recevez, alléluia, recevez, alléluia, alléluia, gloire à Dieu, merci beaucoup, merci homme de Dieu, on acclame le Seigneur pour le prophète de Bouma, alléluia, attention, la grâce divine est descendue. Attention, que les étudiants lèvent les mains maintenant. Attention, la réussite pour tes études est descendue. Le succès dans tes études est descendu. Recevez, recevez, recevez. Mention très bien. Recevez, recevez, recevez. Mention honorable. Recevez. Recevez, recevez, mention excellent. Recevez, recevez, recevez. Toujours en haut et jamais recevez, en bas. Recevez, recevez. Toujours recevez, la tête et jamais la queue. Recevez, 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 recevez. Attention, les hommes d'affaires. Attention, soulevez vos calebasses. La faveur financière est descendue. La grâce monétaire est descendue. Recevez, 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 recevez. Attention, toujours pour les hommes d'affaires, les femmes d'affaires. Attention, soulevez vos récipients comme ça. La grâce pour les contrats est descendue. Les marches se bousculent devant vos entreprises. Recevez, 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 recevez. Attention, ça c'est pour les travailleurs. Attention, les travailleurs, levez vos récipients.
La promotion divine est descendue. Vos chefs vont vous reconnaître. Recevez, 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 recevez. Augmentation. Augmentation salariale. Promotion. Succès. Bénédiction financière. Au nom de Jésus. Recevez. 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 Attention, ça c'est pour les mamans qui veulent les enfants. Attention, les jumeaux, les triplés arrivent enfin. Les jumeaux, les triplés arrivent en cascade. Recevez, 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 recevez. C'est pour tous les hommes maintenant de percer. La percée divine est descendue. La percée divine est descendue. Recevez, 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 recevez. Hommes de percer, recevez, recevez, vous allez percer. Recevez, 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 au nom de Jésus. Recevez, 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 au nom de Jésus. Attention, ça c'est pour le ministère. Attention, l'onction divine est descendue. L'onction de grâce est descendue. Recevez, recevez. Miracle descendu, l'onction prophétique est descendue. Recevez, recevez, onction prophétique, onction de guérison, onction de miracle, onction pour le ministère. Recevez, recevez la percée dans le ministère, l'éclosion des dons spirituels, l'éclosion de votre ministère, les portes s'ouvrent. Les connexions, les réseaux, au nom de Jésus, recevez, recevez, l'onction de Dieu, recevez, l'onction de Dieu, recevez. Recevez l'onction pour le ministère. Les dons de puissance, les dons prophétiques agitent votre vie. Les évangélistes, recevez le manteau de puissance dans le nom de Jésus. Les prophètes, les prophétesses, recevez le manteau prophétique au nom de Jésus. Les chantres, les intercesseurs, recevez le manteau prophétique. Que votre intercession soit prophétique. Votre adoration prophétique. Votre louange prophétique. Au nom de Jésus. Recevez. On acclame Jésus, on acclame Jésus. Au nom de Jésus. Recevez. 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 Au nom de Jésus. 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 Recevez, recevez, recevez. Au nom de Jésus. Recevez, recevez, recevez. La percée divine. Recevez, recevez, recevez. La faveur divine. Recevez, recevez. Grâce divine pour ta vie, ma soeur, tu vas percer. J'entends international, international. Ton nom va parcourir les nations. Il fait une alliance avec lui et toi, et il rendra ton nom grand. Et
recevez, 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 recevez. Il y a des hommes influents ici. Il y a des femmes influentes ici. Recevez la grâce pour influencer les nations. Pour la gloire de Jésus. Alléluia. Vous allez rentrer dans des endroits où humainement il était impossible pour vous d'entrer. Alléluia. Vous allez parler avec des personnalités que vous n'aurez jamais imaginé un jour rencontrer. C'est la faveur divine. Il relâche la grâce. Vos ministères vont éclore. Il y en a qui ont des carrières dans le domaine politique. Vous allez percer. Vous allez changer la donne dans vos nations, dans vos pays. Parce que Dieu a parlé. Il est en train de repositionner les siens. Il est en train de placer, de positionner les siens. Il y a une ère de changement qui arrive sur toutes les nations. Ça va secouer, ça va bousculer. Parce que Dieu prépare le retour de Christ. Et un puissant réveil va secouer les nations avant le retour de Christ. Dieu est en train de positionner ses ambassadeurs. Alléluia. Il est en train de positionner ses citoyens dans les nations pour changer la donne, pour renverser les autels de Baal et pour proclamer une année de grâce du Seigneur. Quelqu'un ici a acclame Jésus. Come on. Yeah. Alléluia. Oh. Pasteur Nina, nous allons terminer avec un chant de réjouissance parce que nous savons que la présence de Dieu a envahi la salle, l'atmosphère spirituelle est chargée de sa grâce et tout ce qui a été prophétisé dans nos vies, sur nos vies, sur nos familles, va s'accomplir. 2015, année d'accomplissement dans le nom de Jésus. Alléluia. Alléluia. Donc nous allons chanter un chant de réjouissance pour clôturer ces moments avec les chants. Nous allons nous réjouir. Prenez vos mouchoirs, c'est un jour de fête. Dansez, criez de joie parce que c'est le jour de la victoire et c'est le dernier jour de l'année. Dans quelques minutes, nous allons traverser, nous arrivons en 2015. Réjouissez-vous. Dansez, allez-y, souhaitez joyeuses fêtes et bonnes heureuses années à chacun d'entre vous. Circulez dans les rangs, proclamez des paroles de bénédiction, des paroles de faveur. Alléluia, nous sommes déjà dans 2015. Comment, Pasteur Nina? Quand je pense à ce que Jésus a fait dans ma vie, quand je pense à ce que Jésus a fait dans ma vie, il m'a pris du fumier, il m'a mis à la table des grands. Il m'a pris du fumier, il m'a mis à la table des grands. Mon sauveur, il m'a aimé, c'est Jésus qui m'a aimé. Mon sauveur, il m'a aimé, c'est Jésus qui m'a aimé. Oh. On acclame le roi des rois. Sortez vos mouchoirs. Non, je n'ai jamais connu la paix que je ressens. Non. Je n'ai jamais connu la paix que je ressens. Non. Loin de Jésus, je n'ai jamais connu cette paix. Non. Même dans la galère, la paix de Jésus me suffit. Mon sauveur me l'a donné, c'est Jésus qui l'a voulu. Mon sauveur me l'a donné, c'est Jésus qui l'a voulu. Oh. Oui, il est bon pour moi, oh, Jésus est bon. Oui. Je n'ai jamais connu l'amour que je ressens. No. Loin de Jésus, je n'ai jamais connu cet amour. No. Même dans le rejet, l'amour de Jésus me suffit. Mon sauveur me l'a donné, c'est Jésus qui l'a voulu. Mon sauveur me l'a donné, c'est Jésus qui l'a voulu. Oh. Oui, Jésus est bon. Oh, il est bon pour moi. Oh. Jésus est bon. Poussez des cris de joie. Il est bon. Tu peux danser pour Jésus. Bon, il est bon. Sois libre de danser pour le roi des rois. C'est un jour de fête. Est bon. Emmanuel est bon. Et bon, bon, il est bon. Mon sauveur est bon. Et bon, bon, il est bon. Mon rédempteur est bon. Bon, bon, il est bon. Jésus-Christ est bon. Bon, bon, il est bon. Emmanuel est bon. Et bon, bon. Bon, 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 bon,
mon sauveur est bon, mon rédempteur est bon, mon rédempteur est bon, il est bon, Jésus-Christ est bon, il est bon. Comment, comment, Pastor Nina, on est avec vous. C'est un jour de fête, un jour de joie. 2015, c'est dans 20 minutes seulement. Avant de passer à la partie gala, on va chanter ce chant ensemble. Je célèbre ton nom, car tu es juste. Il est juste. Et bon. Il est bon. Tu es fidèle. Il est fidèle. Et toute ma vie, ton nom sera. Il ne t'abandonnera jamais. Loué. Hey. Est-ce qu'il y a du un peu plus nombreux dans cette salle? Est-ce qu'on peut entendre les cris de victoire et de joie? Ô Éternel, est-ce que vous êtes fatigué? Je célèbre ton nom, car tu es juste. Comment? Et bon, tu es fidèle, et toute ma vie, ton nom sera loué. Je viens devant toi, le cœur plein de joie, exprimer ma voix. Tu es tout pour moi, je viens devant toi. Le cœur plein de joie, exprime ma voix. C'est ça, ma sœur. Tu as tout compris. Loue ton Dieu. Je te loue, comme le roi David. Presque tout, je me tiens debout. Et... les soucis en dessous. Je veux te célébrer. Je veux te célébrer. J'aime te louer. Je veux te célébrer. Yes. J'aime chanter. C'est les cris de joie, cette salle. Tu as le droit de danser pour le roi des rois. Ô Éternel, c'est bien, tout au fond vous avez compris. De mon cœur, oui, moi j'ai soif de toi. Viens et comble ce qui est en moi, Seigneur, par ton amour. Si grand, je viens devant toi, le cœur plein de joie, exprimer ma foi. Tu es tout pour moi, je viens devant toi, le cœur plein de joie, exprimer ma foi. Tu es tout pour moi. Et quand je te loue, j'oublie presque tout, je me tiens debout, les soucis en dessous. Je veux te célébrer. Je veux te célébrer. Je viens devant toi, le cœur plein de joie, exprimer ma foi. Tu es tout pour moi, je viens devant toi, le cœur plein de joie, exprimer ma foi. Tu es tout pour moi. Et quand je te loue, j'oublie presque tout. Yes. Je me tiens debout, les soucis en dessous. Je veux te célébrer. Je veux te célébrer. J'aime te louer. J'aime chanter, j'aime danser. Je veux te célébrer. Quand je pense à ce que Jésus a fait dans ma vie, m'a purifié, il m'a mis à la table des grands. Alléluia! Alléluia! On acclame Jésus, on acclame Jésus, on acclame Jésus. Amen! Amen! On va rechanter ce chant. On va enchaîner avec le chant d'action de grâce qu'on avait chanté le 28 là. Hein? Hein? Le frère Othniel, c'est quoi encore ce chant-là? Hein? Non. Bon, Dieu admirera, c'est bon aussi. Mais tu vois le chant-là, hein? Pas d'action de grâce. Hein? En reconnaissance, voilà. Ton grand amour s'est manifesté, d'accord? Voilà. Et puis, on va laisser la place, après avoir chanté ça, au frère Herman qui va nous donner la suite de la soirée tout à l'heure. Ok? Ou bien, frère Herman, tu veux d'abord donner la suite de la soirée, et puis comme ça, il prépare les chants de réjouissance pendant ce temps.